et bienvenue sur Femme Heureuse TV, votre chaîne d'éveil de conscience et d'épanouissement personnel. Avec vous toujours, Maman Tina, votre coach. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Souhait nanga pour nabino et zalaka toujours et amoana. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vraiment, l'on a posé nanga nabino, tout l'anda oyo, bazo yebisa biso tout ça. S'il faut qu'on vende nanda, qu'on vende nanda. C'est difficile, ça peut être difficile, na babato o ba mesana ko bouger, mais vraiment c'est une solution aussi pour que on se protège pe on protège baninga bande konayo baninga nayo na libanda. Voilà ce que je peux dire par rapport na maladie oyo ici étant mouli mon ki mbe. Thème na biso ya lelo ezali comment rendre un homme heureux. Thème oyo soki au côté par exemple de les réseaux sociaux au commun na mutu ayaka na recette na ye comment tu peux rendre un homme heureux nabiso ba basi tango moi si azo ki niliba la ba mikolo ba maman ba zanga kapete ko pesa na bana ba recette oyo et ko ko sala que à rendre mon bali na ye heureux. Alors, dans la vidéo, on a repris trois secrets, trois caca. Oh, yo, koko, ça, là, pour rendre ton homme heureux. Secret, le bosso, Ezali, il faut que toi, déjà, qui me suis, tu sois heureuse. Il faut que yo, moko, déjà, vous allez une femme heureuse. Pose-toi la question, est-ce que moi, je suis heureuse? Parce que pour vouloir rendre Motomosusu heureux, ceux qui yo, ça, heureuse, t'en a habité, qu'est-ce que tu peux lui donner? On donne que ce qu'on a. Parce que ceux qui yomoko déjà na yomoko osa en conflit, yomoko déjà na yomoko osa heureuseté, je ne vois pas comment tu peux rendre une autre personne heureuse. Donc commence d'abord le travail et pas na yo. Ceux qui osa le travail wana et pas na yo, au komona ke makambo nyonso eketika la et que ça n'ango plus facile. Tu ne vas plus te forcer. Donc, et que comme ma bilo, comme mon naturel, parce que tu le fais déjà pour toi. Donc, et que c'est la plus facile pour nous, ou ça la paix pour nous. Donc, commence le travail d'abord. Commence de travailler d'abord sur toi-même. Ceux qui osa une femme rester, ceux qui t'acceptent, ceux qui ont mis les gens, commence d'abord par t'aimer, commence par, t'accepter. Comme ça, au coquille, au coco, capé, qu'on dit mamoutou, mon sou, son dengue à Zali. Le travail commence toujours par soi. Secret, le bosso, Isaïe Mouana. Sois heureuse déjà de par toi-même. Ceux qui osent en conflit, na yomoko, bah, conflit permanent, na yomoko, jamais au cosa la en paix, na mon sou, jamais au coco, kako, rendre mon sou heureux. Commence à être en paix avec toi. Commence à vivre en harmonie avec toi-même. Commence à t'accepter comme tu es. Au commun, c'est la plus facile. Au accepter Mutumosusu, au vivre en harmonie dans Mutumosusu, au vivre en paix dans Mutumosusu. Voilà le secret à l'Iboso. Secret à Nibale, tu dois aussi savoir si l'homme, Mutu yo Zolingo, rendre heureux. Ce qui est Péaza heureux. Déjà de par lui-même, s'il est heureux. Comme ça, rendre mon sou serait, c'est une grande responsabilité. Hein? Et c'est très lourd à porter. Parce que mon sou qui de lui-même, il n'est pas heureux. Je ne sais pas, toi, force à moi que vous êtes là-haut pour rendre mon modèle ou heureux. Quelqu'un qui ne s'accepte pas, quelqu'un qui ne s'aime pas, vraiment, qu'est-ce que toi tu peux faire pour que au rendre heureux parce qu'à quoi reconnaître en moi donc tu dois d'abord savoir si mutu oyo zolinga au rendre heureux s'il est déjà heureux de par lui-même yoza heureuse donc rassure-toi que lui aussi de par lui-même il est heureux mutu oyo aza heureux de par lui-même keba a ko risquer et sengona yo et comment vous pouvez ça kanda comme lui il n'est pas heureux modèle kobando komona yo et que ozali heureuse est-ce que et que tu t'acceptes comme tu es ozo komi lingande ngoza so qui est aza heureux et que risqué et comment vous pouvez ça kanda
Donc, tu dois savoir si cette personne-là est déjà heureux de lui-même. Voilà le deuxième secret. Si le troisième secret, n'a pas les alliés, kolukate omoni ndenge yo moneliye ndenge azali soki amelinga kate soki asaccepta kate soki aza aza mutu ya bakanda kanda esengono ye pesa kaye kanda soki ayebaka ko se valoriser te soki aza na maîtrise na yete soki aza na confiance na yete sur tout ça. Maintenant toi ne cherche pas à le changer. Troisième secret, ne cherche pas à l'échanger. Na lobango mingi na bavire nanga que soko lingo vivre en harmonie na mutu ko lukate o changer. Luka plutôt o valoriser ye. Tant yo zo luka ko valoriser ye, o komona que na attitude wana e ko ko sala que a koma na confiance na ye. Yangonde siko e ke bote la ye bonheur oyo yo okoki ko pesa. Donc c'est ton attitude face na ye nde ekoko ede ye akoma pe heureux. Mais soki olobi ke non okoma ko force ye akoma heureux ou bien onuka okoma ko pesa ye makambo moko po azala heureux, ça sera vraiment du superficiel, mais son fond, le fond akozala toujours malheureux. Oh non, ce qu'on peut faire, oh là, mais la gaye bien, oh bon, c'est la gaye bien, tout bien, nambeto, ça la ba phase, non, ce qu'on yo lingi, ça c'est la forme. Si son fond, na kati na fond na ye, aza malheureux, il le restera. Maintenant, pardon, ce que toi tu dois faire, commence maintenant à le valoriser. Donc, kati na ye, aza na ba qualité. Oh, peut-être y a ye bakate. Yo en tant que moi si kende koluka ba qualité o ye azanango. Parce que na mutu nyonso ndenge to vivaka, nzamba tia makambu ya bien. Na mutu nyonso azan, mutu nyonso azanango. Mais ezana batu misusu peut-être makambu mokili oyo e tufa ba qualité na bango. Moyen ba s'exprimer ezate. Azan a talent peut-être, mais moyen à exercer talent en exacte parce qu'il n'a pas confiance en lui. Yo kende na intelligence ou nzamba pesa yo ya bon moi si kende o kende kuluka ba qualité nini ye azan ango. Soki omoni ba qualité wana bimisela yango banda ko valoriser ye par rapport na yango. Il faut tombola mobale na yo. Atana ya muke o ya salaka tombola ye yangonde le fait yo zo valoriser ye le fait ozo le bele makambu ya bien ke azad bien ke azad exceptionnel ke azana ba qualité yangonde ke sunga ye que epesa ye confiance akoma pe komilinga. C'est difficile de vouloir rendre, je dis bien de vouloir rendre quelqu'un heureux. C'est plus facile de l'aider à devenir heureux de par lui-même. Et comment aider? En le valorisant. Tout le monde a rangé à ta bana. À ta bana, au tovani na ba on andako. Soko lingi moi na zala loko la yo ozo linga zala. Commence à le valoriser. Valoriser ye. Ye msa ye ki azama ye le koleka. Il sait qu'il est le plus sage. Au moment où il a comme ça sala yango, franchement, ceux qui n'ont pas meka te meka, au moment où c'est comme ça, n'a mis pas les années en moko. Au moment où mon bal n'a eu à bimaka mingi, au moment où mon bal n'a eu nanda ou à raison qu'a toujours retard, au moment où azana biloko moko ou est sepeli sakayote. Kende maintenant ko luka, kende ko donc mon aye lo lenge yo linge te azala. Ko forcé à changer te yo mona ye lo lenge o lingi ki azala. Yeb sa ye ki azala mari moko exceptionnel. Yeb sa ye maloba oyo nyonso yo ozana posa o mona kati na ye ne akokoma ndenge wana. Parce que mutu alinga lokumu, mutu nyonso alinga abakumisa ye. Bana o abashenge to mona na banzela na Kinshasa wana, soki alingi alia mbongo, akosala nini? Akokumisa yo te, batu nyonso bakoma ba président. Prez, tant que vous avez besoin de vous, vous avez besoin de vous, vous avez besoin de vous, vous avez besoin de vous. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous comprendre. Et vous, maman,
soki olingi ozala heureuse, c'est-à-dire soki olingi ozala de plus en plus heureuse et que mobali na yo pe azala de plus en plus heureux, joie se crée à valorisation. Valorise ton mari. Valorise ton mari. Quel que soit ndenga azali, eza choix yo osala ya mobali wana. Kozala te neti basi oyo bazalaka place bazo critiquer mobali na ye pe akoti na ba critique wana. Non. Et que simba te. Yo valorise mobali na yo. Ko critiquer te parce que ba critique moto changera na ba critique te moto changera tango yo zo valoriser ye nde moto changera. Moto a changera tango ozo valoriser. Donc zo mobali na yo quel que soit ba défaut azana ngo matisa yi. Ba qualité oyeza ya ata ya moko mi bali misato oyoyo o denisha katina ye matisa yango banda ko kokumisa kaye par rapport na yango critique te valoriser nde okomona ke akokoma homme moko heureux parce que akokoma na confiance na ye soka zalaki na confiance na ye te akokoma na confiance na ye akozana mobali o azana maîtrise akozana mobali o azo s'accepter ndenge azali le fait ye azo s'accepter ndenge azali le fait ye azo komilenga nde akolinga yo pe ba critique échange akate c'est le fait de le valoriser qui peut changer ton nom. Voilà les trois secrets pour rendre ton homme heureux. Ko bongisambe, ko lamba, ko zala propre, ko zala boye, ko zala boye. Tout ça ezali ba fruit. Il y a une femme heureuse. Quand tu es heureuse, quand tu sais qui tu es et que tu es heureuse en toi, biloko nyonso wana ekoma na ngo bia chose moko facile parce que c'est naturel. Tu le fais pour toi et tu pourras aussi le faire pour l'autre. Et que zalate biloko moko bazo on dirait bazo forcer au pour ça. Non, ça sera naturel parce que toi-même déjà tu es une femme heureuse. Tu sais ce qu'est être heureuse et c'est ce que tu donneras aussi à l'autre. Si tu n'es pas heureuse, tu ne pourras pas rendre une autre personne heureuse. Pourquoi une autre personne heureuse? Pourquoi? Parce que okoki kozala olamba kitoko, mais quand tu n'es pas heureuse en toi, eza biloko kozala kitoko mais mutakoli amone esengote ozomona parce attitude oyo ozo ezo accompagner biloko kolia okokozala pe mamusu kolamba ya mystique mais attitude oyo ko accompagner biloko wana na motwa donc ayoki amone lengi moko akosakana te to se focaliser te sur la forme hein forme. Oh non, il faut zala boye ou ba maquillage ba kolamba banda, ça c'est la forme. Tout se focaliser sur le fond. Quand notre fond est bien, biloko wana nyonso et que comment les choses les plus faciles ou wana osala ngo naturellement. Voilà un peu les solo nazala ki nango ko solo na bino ko na lelo. J'espère que ke songa moko na bino. Na pesi bino rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez des excellentes journées, toujours dans la joie et la bonne humeur. Ne perdez pas votre sourire, gardez votre bonne humeur. À très bientôt.